événements sont arrivés à moi le jour où le Tour de Calédonie a été bloqué. Je crois que c'est octobre 84. J'ai 13 ans. Je crois que 2 ans avant, je suivais encore le Tour de Calédonie à la radio, à l'école. J'écoutais le Tour de Calédonie, quoi. Savoir qui allait arriver à l'étape, c'était un truc dingue. Et puis le Tour a été bloqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, après, bon, c'est difficile de tout remettre dans l'ordre, mais j'ai l'impression qu'en l'espace de 2 mois, le collège s'est séparé en deux, s'est coupé en deux. Il y avait les Kanaks en bas, les Blancs en haut. Et là, on s'est plus bien parlé dans le collège. D'entrée de jeu, là, c'était, voilà, c'était, après, c'était fini. Là. Puis après, il y a les hélicoptères, les gendarmes. On n'est pas passé loin de guerre civile. Puis il y a eu, voilà, 5 ans, de 84 à 89, bah, tu grandis, adolescent, là-dedans. Tout a changé, là, d'un coup. Le monde a changé, notre monde d'enfant, là, c'était plus du tout pareil, quoi.